ce chien coûte 90 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Il s'appelle Günther 4. Et il est estimé à 90 millions de dollars. C'est bizarre, n'est-ce pas? Or, son histoire est encore plus surprenante. On raconte que la comtesse allemande Carlotta Liebenstein s'est retrouvée seule au cours des dernières années de sa vie. En effet, elle n'avait pas de proches, pas d'enfants, pas de famille, c'est pourquoi elle légua toute sa fortune à ce chien-là. L'héritage passa ainsi de Günther 3 à son petit, Günther 4. Et au cours des années suivantes, il acheta la villa de la star mondiale Madonna et s'y installa. Bien sûr, ce n'était pas lui qui avait fait cela, mais plutôt l'entreprise des droits de propriété. Günther 4 possède aussi une villa aux Bahamas, une à Miami et une autre à New York. Il profite d'un système de sécurité 24 heures sur 24 et possède aussi un jet privé dans lequel il voyage vers des lieux plus agréables et reposants pendant les saisons chaudes. Il possède 4 avions qui ont été conçus de manière qu'il en soit le seul usager et qu'il dispose de tout ce dont il peut avoir besoin. 2 cuisiniers, 2 chauffeurs ainsi que des employés qui travaillent dans ses propres entreprises sont à son service. Vous pouvez aussi régulièrement voir des dizaines de femmes parmi les plus belles du monde à ses côtés. En effet, les mannequins qui remportent le titre de Miss se rendent parfois en Allemagne pour lui rendre visite. Il dispose d'une immense piscine, car il adore nager. De plus, ses promenades à l'air libre de temps à autre le rendent heureux. À cause de sa fortune, des personnes tentent souvent de prendre le contrôle de l'entreprise de droits de propriété qui s'occupe de lui. Car à sa mort, tout cet argent reviendra à son petit.